Mesdames et messieurs, bonjour. Nous voici à Reims, à l'arrivée de la sixième étape. Les cyclistes sont partis d'Arras. Ce matin, dans un temps pas très estival. Cette émission est exceptionnelle, chers téléspectateurs. On risque d'interviewer le président de la République. Du nouveau de ton côté, Justin ? Alors oui, Jason, je suis sur le coup. Pour l'instant, il n'y a rien. À toi. Merci, Justin. On reviendra vers toi tout à l'heure. Et toi, Oussama, il y a du nouveau ? Bon, là, je suis sur le coup. Il n'est pas toujours venu, mais bon, ça bouge, je vous le dis. Merci, Oussama. On reviendra vers toi plus tard. Ah, je crois qu'on a du nouveau chez Théo. Eh oui, Jason, je suis avec Monsieur Hollande, là. Je vais entamer la discussion. Alors, Monsieur le Président. Ah, on me dit que c'est pas lui. Ah, excusez-moi, monsieur. C'est pas grave. Merci, Théo. Je reviendrai vers toi tout à l'heure. Parlons maintenant classement. Bonjour, belle victoire de Greipel ici à Reims. Nibali garde son maillot jaune. Peter Sagan garde son maillot vert et blanc. Le français Cyril Lemoine garde son maillot à pois. C'est une émission spéciale aujourd'hui. Donc, on enchaîne avec l'étape du demain, du lendemain. Pouvez-vous me présenter l'étape de demain ? Voilà. Alors l'étape de demain sera la septième étape du Tour de France 2014. Nous allons partir vers 11h15 de Épernay, une des grandes capitales du Champagne, pour aller vers Nancy en Lorraine. C'est une étape très longue qui va faire 233 km. La météo n'est toujours pas très bonne, il va faire gris, il va faire frais, il y aura peut-être encore de la pluie. Et ça va être plat pendant un grand bout de temps et ensuite il y aura une dernière petite côte très forte à 5 km de l'arrivée où là les sprinteurs vont avoir du mal. Donc sans doute pas une arrivée au sprint demain et une nouvelle fois commémoration du centenaire de la guerre parce qu'on va passer dans des endroits où il y a encore beaucoup de cimetières. Tu sais qu'il y a eu près de 13 millions de morts pendant la guerre entre 1914 et 1918. Donc il y a des cimetières terribles sur cette route demain. Voilà, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, tu vois, je portais ça moi, un petit œillet. Parce qu'en 1915, donc, les jeunes soldats qui arrivaient, qui n'avaient même pas 20 ans, avaient des pantalons et étaient habillés tout en bleu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait des fleurs bleuées comme ça, pour les saluer, pour se souvenir d'eux. Voilà l'histoire. Je te souhaite une très bonne soirée. Merci. Merci les gars. Ah, je crois qu'il y a du mouvement. Le président là, allons-y. Bon, nous allons vous poser quelques questions. Ça sera une interview. Ben oui, j'espère que ça sera une interview. Bon, pourquoi avez-vous choisi d'être sur le Tour de France aujourd'hui ? Alors pourquoi aujourd'hui et ici ? Hein ? Parce que c'était l'étape qui correspondait à des lieux qui ont été des lieux de combat, où la guerre de 14-18 a eu lieu. Et le Tour de France voulait rendre hommage à tous ces poilus, à tous ces soldats qui sont morts ou qui ont souffert. Et je suis donc allé sur des lieux, ce qu'on appelle le chemin des dames, qui a été un lieu de bataille pendant des années, près de 4 ans. Et puis ici à Reims, ici cette ville a été quasiment détruite à la fin de la Première Guerre mondiale. Voilà pourquoi je voulais être là. Et aussi pour envoyer un message de paix, parce que le sport rassemble et la guerre divise. Merci. Bonjour. Est-ce que le sport peut servir à la mémoire de la guerre 14-18 ? Oui, tu as tout à fait raison. Hein. Bien sûr, ceux qui viennent sur le Tour, ils viennent pour voir les cyclistes. Et en même temps, on peut leur faire passer des messages en leur expliquant exactement par où le Tour passe et quels sont les lieux qui peuvent être des lieux de mémoire. Et grâce à tous les commentaires que vous allez faire, que les chaînes de télévision également vont produire, eh bien beaucoup de ceux qui regardent à la télévision le Tour vont dire « Ah donc c'était là que s'était produite la Première Guerre mondiale ». Merci. Quel sentiment avez-vous ressenti après avoir été élu président de la République ? La joie dure quelques minutes et la responsabilité arrive tout de suite, ainsi que les problèmes qu'il faut traiter. Donc j'ai ressenti à un moment une grande émotion et puis tout de suite j'ai été attrapé, c'était bien qu'il en soit ainsi, par les responsabilités qui m'incombaient. Et je suis aujourd'hui dans la tâche, parce qu'il faut réussir, pour vous. Parce que c'est vous qui êtes le cœur de tout ce que nous pouvons faire pour l'avenir du pays. Similaire à une victoire du Tour ?
Je pense que sur une victoire du tour, une victoire d'étape, on pense à la suivante. Et même quand on a gagné le tour, j'imagine, on doit penser au prochain tour. Quand on est président, il ne faut pas simplement penser à la prochaine élection. Il faut penser à ce qu'on va laisser comme trace à la fin du mandat. Que pensez-vous d'un éventuel départ du Tour de France depuis le quartier de Bagatelle à Toulouse? Ah bon, pourquoi pas? Je sais que vous venez de ce quartier-là, oui. C'est ça? Hein? Exactement. Et donc vous venez défendre l'idée d'un départ du Tour de France de Bagatelle. Bon, on va aller voir Christian Prudhomme, mais on va lui dire. Mais je pense que vous avez remarqué que le Tour maintenant partait de pays étrangers. Ça peut paraître curieux. Un Tour de France qui part de Londres, l'année prochaine ça va partir des Pays-Bas. Pourquoi? Parce qu'on veut montrer que le Tour de France c'est une grande compétition mondiale. Pour ensuite attirer tous ceux qui ont suivi le Tour dans un autre pays vers la France. Alors on peut très bien aussi à un moment passer par le quartier de Bagatelle. Mais ça se finira toujours sur les Champs-Élysées, parce que le Tour de France, ça se termine toujours à Paris. Bon, ben merci de nous avoir reçus et bonne journée. Merci à vous, et puis continuez comme ça. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci pour le bon jour. On peut dire qu'il y a eu des émotions. Bref, passons. On enchaîne pour le clin d'œil du jour. Donc ce qu'on fera, c'est que vous mettrez dans le coin, vous un peu derrière, les petits devant. D'accord. Je trouverai un moment pour vous installer. Et si je ne peux pas le faire, ce sera comme ça. Toi, tu veux y aller aussi? Donc tu te mettras à côté. Devant, toujours, les 40, 40, c'est ce qui se passe. Bonjour, Mathéoli, je vais vous interdire maintenant. Je me mets dans votre roue, hein, parce que j'ai jugé quand il fait ça. Alors comment ça s'est passé avec vous? Vous allez poser des questions? On peut dire que cette journée est riche en émotions. On se quitte sur les images du jour. Au revoir. Thank you.